Nous revoilà. Alors, t'as trouvé quoi? Fly the spear. Ouais, on va changer notre lit. Ah, on peut pas utiliser de potion. La glace silencieuse, c'est horrible. Mais on a un point d'énergie de plus. Donc, c'est pas mal. Ah, j'ai pu dégueuler ma main, je suis content. Allô? Des Shiba. Kata. On est en stream. Maintenant, je t'écoute. Allô? C'est qui, Oulèche? Hein? C'est qui, Oulèche? Hein? Oulèche? Oui, c'est qu'elle a écrit un message, quoi. Ouais, non, mais... Laisse tomber. Elle pense m'intimider. Oui, et ben j'aimerais bien savoir c'est quoi, c'est qui ce Oulèche. Alors c'est Hush, alors c'est pas Oulèche, c'est Hush. C'est genre un cri de colère, de haine. Ouais. Oh, cherche pas, elle s'est montée la tête comme quoi elle voulait me montrer sa colère. Alors. Ah, c'est. Quand t'es arrivé, t'étais un peu plus déterminé à parler, dis donc, Shiba. Ne me dis pas que tu as bloqué sa conversation. Vas-y, tu m'as. Non, le fait qu'on soit en stream l'a complètement fait perdre ses moyens. Timide. T'as pas idée. Espèce d'Ifletor Chai. Ah si si, t'as qu'à aller voir sur YouTube, je sais pas si on l'est. Putain, à cause de son message, j'ai perdu un match. Je dois l'interpréter comment ce message-là? Son ami qui m'a fait. Tu as raison parce qu'il adore manger les petites. Ok, on a une Natacha numéro 2. Non. Elle, contrairement à Natacha, elle est mignonne. Quoi? Alors.
À mon avis, elle a pas dû comprendre ce que je voulais dire. Je pense. Mignonne dans le sens gentille, agréable, pas casse-couille. Après, après, si tu veux, je peux le dire, tu me pètes les couilles. Ça te va? D'accord. Mais non. C'est moi, ou elle est en train d'imiter une voix là? Non, elle est en train de... Non, non, c'est sa vraie voix. Elle parle, c'est sa vraie voix, mec. Arrête d'être méchant. Mais comme laissez-moi ça. Avec ma voix, sérieusement. Elle est toute mignonne, sa voix. Ça, c'est sûr. La première fois que vous perdez vos points de vie lors de chaque combat, que je crois pas. C'est pas mal. Ah! Donc. Bien mal joué. Est-ce que tu veux que je te raconte une blague? Bah, raconte toujours. Quel est le comble pour un éléphant? J'ai peur d'avoir trouvé. Vas-y. D'être sans défense. Je m'en doutais. Je m'en doutais que c'était ça, mais je me suis dit non, elle a quand même pas à ce niveau. Ah si. N'empêche, elle reste toujours marrante, cette blague-là. Ouais, t'en as une autre hein, comme ça, c'est la même phrase, hein, sauf qu'à la place de d'être sans défense, c'est d'être trompé. Bah tu connais le proverbe, un éléphant ça trompe énormément. Voilà, c'est d'où vient la connerie en fait. Tu peux t'en faire une autre si tu veux. Vas-y. Il y a un clown qui va chez le médecin et lui dit « Je me sens tout drôle. » Voilà, c'est tout pour moi, au revoir. Ah, fallait rigoler, là ? Bon. Oh, si la blague vous a plu, écrivez-la en commentaire. Bon, moi, ça m'arrangerait pas mal. Oh oui, améliorer une carte. Oui, plus de poison. Oh. Toujours plus de poison. Il aime pas les Skaven et il adore tout ce qui est poison. Ouais. C'est un comble, ça. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Les Skaven, c'est tout ce qu'il y a de plus empoisonnant. Et t'aimes pas... Et tu les aimes pas.
donc je vais réitérer ma question. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est mon problème, non? Bonjour la logique, quoi. Et alors? C'est ma logique. Ouais. Moi, je vais pas critiquer la tienne. Allez, tous les tours, 3 de poison supplémentaires. On va taper. Je perds 9 points de vie. Je commence vraiment à être dans le mal là. On passe à 14 de poison. Vu que je l'empoisonne en plus, là il devrait passer à 20. À 12, ça fera 2 points de dégâts. Là, il reste 2 points de vie, donc c'est bon, je gagne. Allez, je peux plus avoir de potions, donc faut que je puisse continuer à avoir des potions. Enfin, faut que je peux plus avoir de potions, donc faut que je continue à avoir de l'or. Alors, Ok. Alors là. Les pires mobs du monde. Thank you.
Dommage. Dommage, dommage, je perds un peu d'argent. Ouais, je prends le risque. Je prends le risque parce que c'est très très fort comme carte. Pas pourquoi les joueurs du street ont tendance à trop sous-estimer le personnage de Sakura. Effectivement. T'as une idée là-dessus? Pas la moindre. C'est quoi le scénario du jeu de Slave Spire? T'es un champion et tu dois aller taper le cœur des maniaques. C'est tout? Ouais. Tant pis. Mais j'imagine que tu peux choisir n'importe quel champion dans ce jeu. Non. Bah, je t'avais vu une fois avec un guerrier. Et oui, là, t'es avec un mage. Tu en as que deux. C'est pas un mage, ça. C'est quoi alors? Elle, c'est une assassin. C'est une elle, ça? Ouais. Ça s'appelle la silencieuse. Ouais, bah. Ah oui, vu de près, oui. Elle la livre. Tant pis. Mob du jeu pour contre le truc que je veux. Les pires, les pires, les pires, les pires. Commence à prendre des dégâts, ça va. C'est pas fou, mais ça commence à faire là.
Honnêtement, je pense que je vais mourir. Tu veux pas interchanger? Hmm? Tu ne peux pas interchanger? Non. J'aurais pas dû accepter les autres cartes là. Je voulais essayer, donc ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis pour moi. Effectivement. Ah, ça c'est bien ça. Oh putain, oui. Ah là, j'ai des bonnes nouvelles. Ça c'est bien ça. Oh non, pas toi. Oh, le pire mob de l'histoire du jeu, quoi. Bref. Ça te fera de l'XP. Non, il n'y a pas d'XP dans le jeu. Je suppose que t'as déjà fini le jeu, non? Fini, c'est un même grand mot. J'ai déjà réussi à arriver au boss de fin. Oui. Mais tu l'as pas tué? Oui, j'ai déjà réussi à le vaincre. Oui. Voilà, donc fini le jeu. Ah ouais, non, mais là même si ça coûte 3... beaucoup trop dangereux de me coller 22. Beaucoup trop. De répit. Oh putain.
Bon. Je peux jouer bonne carte là. Je trouve intéressant. Ouais, croire en l'âme des cartes. Double pouvoir poison, ce serait parfait. Dommage. Ça peut être très très fort, ça. Ça peut être très très fort pour moi là. Pas vraiment ce que j'espérais. Ça va, arrête de le soigner, toi. Bah, t'as qu'à tuer le soigneur. En fait, c'est plus rapide de tuer. En fait, paradoxalement, le combat est plus rapide et plus facile de tuer d'abord le soldat et après le healer. En toute logique, oui. Mais le truc, c'est que si tu attaques le soldat, le gars le heal par derrière. Oui, mais vu que je joue en poison, en fait, le mec prend les dégâts à chaque fois, en fait. Allez, un bon truc. Ouais, non, c'est mort. Voilà lui. Ah, 33 PV pour ce boss. C'est le pire boss de l'univers en plus. Putain. Ah, la partie va s'arrêter là. J'ai perdu.
Donc je pioche pas mes, mes trucs de poison, ça va être compliqué. Tu peux tomber sur des adversaires qui sont immunisés, non? Que temporairement. Au maximum, il faut les altérer 3 fois pour pouvoir commencer à leur coller du poison. Ou à les altérer tout simplement. Bah ouais, mais c'est pas chose facile. Ça, on est d'accord. Bon, je prends 2 points de dégâts. Pour le moment, ça va. Pour le moment, je m'en sors bien. Là, j'ai 2 tours assez tranquilles, on va dire. Peut-être réussir à le tomber. Hein. Bon, pas trop, mais bon. Ouais, je fais une bonne. Oh putain. Ouais, c'est pas de la merde. C'est-à-dire que tu dois les battre avec le peu de moyens que t'as. Au moins, ça va. Je m'en sors bien. Ça peut être très fort si j'avais la carte de pouvoir qui à chaque fois que je te colle un dégât non bloqué, je colle un de poison. Ça pourrait être très fort. Le problème étant que je ne l'ai pas, donc c'est pas la peine. Alors ça j'aime bien. Ça, si je viendrais à mourir, ça me remonte à 50% de vie, donc c'est très fort. Ah, je suis trop con, je suis un singe. Ah, pour que ça a été pratique. Pyro. Améliore une carte. Essayer de les améliorer au maximum ces cartes. Oh oui. Oh, la meilleure relique pour moi. Ça va et toi, Pierrot?
Tant mieux, tant mieux. Pour le moment, rien de dangereux, pas besoin d'attaquer ni de faire quoi que ce soit. Bon, je vais prendre un peu de dégâts, mais ça va. Vu que vont prendre de plus en plus cher à chaque fois. Je sais pas. Trop peu de vie, ouais, vaut mieux. Vaut mieux jouer la sécurité. T'as pas les trucs que tu peux prendre en pourcentage de PV? Non. Quatre de poison pour le premier tour. Hop là. On a lancé à 8 en 2 coups. Là, tu vas passer à 11. De 11, t'es passé à 22. Là, c'est bon ça. 22 dégâts ? Non, 22, oui, c'est que ça sera 22 poisons. Là, 32. On prendra 32 de dégâts chacun de ses tours et j'ai oublié de me protéger comme un con. De dégâts tous les tours maintenant. Ah bah ça va faire très mal. J'imagine que tu attends avec le poison. Ah bah de toute façon la silencieuse, soit tu tues avec le poison, soit tu tues avec autre chose. Hein. Le plus fort c'est le poison. Bah en même temps c'est son boulot. Après c'est mon avis. Il y a full, tu veux dire, non? Plutôt. Ah.
Bon, je prends 6 points de dégâts. Ça m'arrange pas du tout. On va dire que mon jeu est à peu près en place. Ton deck. Il va revenir à la vie, mais ça c'est pas grave. Hein, ça il va remourir. Donc là je vais en avoir 3 qui meurent, c'est bon. Ils sont tous morts. Regardez. Alors. Ah oh, oui. Double le poison, ça c'est tellement fort. Oulala. Amulette, lorsque vous recevez une malédiction, augmente de 6 points de PV max. Ça c'est bon ça. Ouais, faites quand random. Mob into random, on se heal. Lui. Random, mais je ne peux plus tomber sur des monstres. Transformer une carte. Ça, ça peut être intéressant. Transformer une frappe, allez. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, ça fait mal, ça. 11 points de dégâts gratuits dès le premier début. Parfait. Ah. Alors, ça, ça va être relou. Ah, ça va être très, très relou ce qui va se passer. Putain, 40 par jour. Ça c'est rien ça. Il a que 20 points de vie. Ouais, mais pour lui enlever son armure, c'est pas évident. Donc c'est parti. Alors bien évidemment, si vous me demandez, ouais mais attends, tu ne défausses pas ta main, tu pourrais garder tes frappes et tout. Sauf qu'en fait, je me défausse volontairement de ma main pour pouvoir en piocher d'autres cartes. C'est ça le truc. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer à faire des choses. Ah, j'avais pas vu qu'il renvoyait 15. J'ai pas dû le taper.
Bon, je me suis fait très mal tout seul, c'était pas très malin. C'est pas malin du tout même. Oh oui, dégage. Oh parfait. Oh c'est nickel. Oh, tu voulais m'en débarrasser. Je partage pas l'item en or, c'est le dernier boss. Rien à perdre. Ah, ça c'est bon ça. Allez, on se heal. Dernier boss du jeu. Enfin, dernier boss. Dernier boss de cette session. Ah! Bon, mais ça va être douloureux. Déjà un nom. Prochain tour 2. Donc. Là, il est à 32 poisons. C'est là où son bas va commencer à être très dur. Bah, elle est forte là, l'assassin, mine de rien. 15 de poison pour ce premier tour. Ça part 15. 5. Ouais. Très compliqué le combat. Bon. J'ai perdu. C'est dommage. C'est très très dommage. 55 de poison quand même. À quelques points de vie près, j'aurais pu survivre.
J'aurais encore de la def. C'est dommage. Bah 50 minutes sur cette run, ça va. J'ai fait un temps assez correct. Bah écoutez, j'espère que ce deuxième stream vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. J'étais en compagnie de Red pour cette session. Qui apparemment a décidé de me foutre un vent. Non, je regardais, je suis juste hébété, t'es arrivé loin en plus. Ouais. Bah oui. Et à quelques points de vie près, là, j'aurais survécu. Si j'aurais eu plus de points de vie, j'aurais survécu parce que ça m'aurait remonté à 50%. En fait, il m'aurait fallu 52 PV pour survivre à l'attaque là. Bah, on peut pas dire que l'assassin est celui qui a le plus grand PV du jeu. Non, effectivement. Après, le fait d'avoir accepté de perdre 50% de mes HP pour avoir les trucs qui me permettent de prendre qu'un point de dégâts à la place, j'avoue que ça m'a été très très utile. Après, je regrette de ne pas avoir eu plus de reliques me permettant d'avoir plus de HP. À la place de celle-ci, là, j'aurais aimé avoir une relique qui me donne 12, 15, alors c'est 5 ou 15 HP en plus, ça aurait été sympa. Des choses qui arrivent. Effectivement. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous donne rendez-vous vendredi soir pour le prochain stream, bien évidemment. Samedi soir, si tout va bien, un stream aussi. Mercredi prochain, ce sera sur Twitch. Vous aurez le lien de la chaîne Twitch dans la description. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.